Viens. Lino, ça, ça va. Il fait une demi-heure, nous tournons en rond. Qui ça dit que nous tournons en rond? Ben non, parce que t'es là trois fois. Ben il veut pas dire que les ronds. Ouais, mais il faut suivre le sentier balisé. Et là, la pointe balise. Vous connaissez les histoires de Philippe et Louise Legrand? Vous connaissez pas? Lino! Oh, super! Bon, allez! Là-dedans? Ben oui, vous sauvez, allez. T'es bête. Bon, allons! Eh, hey, nous, les Yabs. PM, mais plus de qui, allons? Ok, là, ça. Totoche! Écoutez, il est incroyable ce que la nature est capable de faire. Waouh! Un équilibre des masses parfait. Même la bétonnière à côté de la case, il n'y a pas fait ça. Joe, nous l'est en retard. Allons. Nous n'avons un contrat? Non. Alors, on a la liberté de découvrir la nature comme il veut. Et moi, on a la liberté, ben, on va être tabac d'autre gueule, ok? Parce que nous, les des trailers. Nous, les pas galétologues, bonne histoire, comment nous? Et depuis quand les trailers et quoi dans le tunnel? Depuis que m'a trouvé un raccourci. Allez, allons. Et fais attention, belle tête, diable, hein. C'est ça le trac aussi. Comment appelle moi? Gars, il ne perd pas chemin. GPS. Quelle part où? Ah mais, je connais bien là moi. Ah, Notre-Dame des Laves. Allons voir la Vierge Parasol. Joe. S'il te plaît. Ah non, on a fait une petite prière. Allez, vraiment à fin. Ma fin en même temps. Allez, on monte deux, trois le stick. Ah, la Vierge Parasol. Vous êtes sérieux, là? Psst. Vous avez faim? Ah oui, à moi, ma faim. Est-ce qu'on aurait trois samoussas, s'il te plaît? Tiens. Hein? $6. Touché, c'est payé. Je t'ai demandé deux, trois samoussas, s'il je t'ai pas demandé de pain saucisse. Bah, t'aimes les saucisses, toi? Moi, j'aime les saucisses. Moi, j'aime les saucisses. Ah oui, ça se voit. Joe, mais ça l'enquête, allez. Ah oui, lui baise, il y a un tabac dans sa gueule. Mais après, oublie pas. Oh! C'est un chinois. Je suis pas chinois, moi. Je suis américain. La chance où m'a plus faim. C'est $6 quand même. Mais c'est... $6. Hé, hey, toi qui es tout le temps dans le quartier, la route des laves, t'es là, là. Volcan, il s'est pété ou quoi? La route des laves? Mais regarde, c'est Manhattan, ici. Non, parce que Banala déplace la Vierge Parasol, la met-elle carrément sur la mer, la pauvre. C'est un statut de la liberté, ça. Ben, on a fait un statut pour le 20 décembre à La Réunion. Ben oui, tu veux un souvenir? Ah ouais. Eh, toucher, c'est payé. Ah, ah, quand même. Les bénis, ça? Bien sûr que c'est béni, c'est la liberté. Eh, moi, je vous fais la saucisse, la liberté et la statue, tout ça pour $25.12. Ah, $25.12? Ah, tu es précis, hein? D'avoir le parasol là brûlé, la dernière éruption. Lino, on fait une prière avec moi. C'est touché, c'est payé. Ah, Joe, arrêtez. Lino. Non, non. Lino. Et moi, je prends cash ou American Express. Hein. Et tous les moyens sont bons pour retrouver maman. Ok, le bon. Et touché, c'est payé. Vierge parasol du 20 décembre. C'est un statut de la liberté. Comme toi, tu la payes à ton parasol, nous, nous la payes à notre maman. Maman. Donne-nous le courage de trouver le chemin. Donnez-moi l'argent. Faut trouver le chemin jusqu'à un moment. C'est vous qui êtes perdu. Je suis de quoi, l'imbécile? Joe, mais ça fait les trop long. Qu'est-ce que tu dis? Combien tu... $25.12. Ah, $25.12. Hein? Ma montre est en train de sonner. Je vais chercher l'argent, t'es là, je vais au gabier. Allez, viens, Joe, allons. Attends. Allons, allons, allons. Hé, hey, hé hey hey, l'imbécile, là! Oh, le manchot des pieds! Hé hey! Eh, touché, j'ai payé! Oh, vous allez le payer! $25.12!